La team, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps, je le sais. Et je le répète à chaque fois, je le sais. On va faire un petit Get Ready With Me Express parce qu'en soi, je pense pas que je vais trop me maquiller. Genre. Et sur un coup de tête, je me suis dit, là, c'est hier vraiment, je me suis dit, je reprends ma caméra et je reprends les vlogs parce que ça fait tellement longtemps et parce que ça me manque en fait de faire des vlogs, ok? 2023, j'étais trop dans... J'avais envie d'être avec vous, mais j'avais aussi envie d'être avec moi-même. Tu vois pas ce que je veux dire? J'avais envie d'être avec moi-même. Mais aujourd'hui, 2024, j'ai pris de nouvelles résolutions. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez... Aujourd'hui, le programme, c'est que je vais bruncher avec mes sœurs. Et ce brunch va nous servir à faire notre mood board 2024. Donc, je me suis dit, Plamédie, c'est le moment. C'est le moment là. En plus, vu les résolutions que je veux me mettre, parce que 2024... J'aurai plein de résolutions, mais la première résolution, c'est le dépassement de soi. En fait, mon propre ennemi, c'est moi-même. Mon ennemi numéro un, c'est moi-même. Donc, je dois me dépasser mes limites à moi-même. Ces produits sont tellement bien que je n'ai presque plus, genre, faut que je refasse une commande. J'étais pas sur YouTube, mais j'ai avancé sur pas mal de projets et j'en suis fière. J'ai pas encore terminé, je suis encore dessus. Mais je fais déjà la moitié du taf. Et pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez déjà c'est quoi. Si vous ne me suivez pas sur Snap, c'est le moment. Ouais, genre vraiment ça c'est une chose où je peux être fière de moi, du sens où c'est vrai que j'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux. Surtout sur YouTube. Mais j'avançais en amont sur un autre projet qui me tenait à cœur. Et qui est en train de voir le jour petit à petit. J'ai pas perdu mon temps voilà, à rien faire ou quoi, non. Aujourd'hui... ce sera une journée un peu chill. En fait, vous allez passer la journée avec moi. Vous allez monter mon mood board avec moi. Et en même temps, vous allez passer un petit moment avec moi et mes soeurs. Vous voyez comment ma peau, elle commence à devenir un peu plus hydratée. Je ne sors jamais sans ça. Sans avoir mis de la crème solaire. Bon, là, c'est en spray. Mais depuis le Mexique, et ça ne veut pas se terminer. Je comprends pas. Ça ne veut pas se terminer. SVR, franchement, j'aime trop. En plus, ça sent bien bon. J'en mets sur ma main. Pour terminer, des caisses en vaseline. C'est pas des caisses. Là, c'est carré. Mon train, il est dans une heure. Donc, j'ai une heure d'avance. YouTube, ça fait grave un moment. Des vlogs, j'en ai loupé des vlogs. Parce que quand tu sors avec des personnes... Des fois, c'est compliqué parce qu'il y en a, ils veulent pas apparaître sur les vidéos. Il y en a, ils sont... Voilà, c'est trop compliqué. Après, il y a eu mes moments où j'avais aussi de passer des moments en intimité. J'avais pas envie de tout partager sur YouTube. Il faut que je l'avoue. Ça veut dire que c'était moitié, je vais garder mon intimité et moitié, je veux pas apparaître sur ta chaîne YouTube. Je veux pas qu'on me filme moi. Et en fait, quand tu veux filmer, qu'il y a des personnes à chaque fois, ils sont en mode je veux pas apparaître. C'est relou, donc tu fais quoi? Tu filmes pas en fait. Et du coup, à force, bah, t'arrêtes de filmer et tu filmes plus. Voilà. 2024, t'es content, t'es pas content. Si je veux vlogger, je vloguerai. J'arrêterai de. Pourtant, à la base, ça a toujours été comme ça, mais je sais pas pourquoi. Là, j'étais trop en mode. Tu vois, là, je vais juste me poser devant ma bonne série. Et on se retrouve tout à l'heure, les gars. Les gars, là, je m'apprête à sortir. En ce moment, je teste les brumes de chez Action. Franchement, celles-là, elles sont archi bon. Genre, ça sent les vacances. Le nom, c'est Ibiza Vibes. J'aime trop. Je le mixe avec le Black Opium. C'est mon meilleur parfum. Et vous voyez la technique de mélanger brume et parfum? C'est Meredith seulement. Non, l'effet Meredith. Je me suis remis dans la nostalgie des vlogs. J'ai re-regardé mes anciens vlogs. J'ai re-regardé mes anciennes intros. Franchement... Je sais que je ne fais pas le meilleur des montages et pas les meilleurs des vlogs de YouTube. Mais le fond était d'art. Genre les personnalités, ce que je disais, ce que les autres disaient, c'était chic. Je m'apprêtais, je vais sortir en avance parce que les gars, ici, il y a encore grave de la neige.
Genre la neige, elle a tenu. Genre ça a pas, c'est pas tombé depuis quelques jours. Mais comme il fait froid, la neige, elle est là. Et puis comme on dirait ici, ils aiment pas mettre du sel. Parce que à faire de ça glisse. Moi, je peux pas marcher trop trop vite. Donc, on va sortir en avance, les gars. Niveau outfit, franchement, je me suis mis en mode chill de ouf. J'ai mis un sweat. D'ailleurs, ce sweat, je me suis rendu compte en regardant des snaps que c'était à près ma copine. C'est ton pull. Je sais que j'ai bien le récupérer, mais laisse-moi encore un peu le savourer. J'ai mis un legging tout noir, comme ça. Et j'ai mis des docks. Je laisse un peu respirer ma peau parce que j'ai tellement d'imperfections que là, je suis juste en train de les traiter. Donc, je dose un peu le make-up. Rien à voir, mais regardez mes ongles. Et je suis trop fan de mes ongles. Je suis trop fan de mes ongles. Je vais vous mettre la prestataire qui me les a fait. En plus, trop bien. Elle fait à domicile. Ça veut dire qu'elle vient chez vous et elle vous le fait. Si c'est pas trop chic. Oh non. Eh les gars, je déteste la neige. Putain. Je déteste tout ça en fait. Wesh. On peut même pas marcher dans la sécurité. Seigneur. On peut même pas marcher dans la sécurité. Wesh, à tout moment tu peux glisser. Non, te casser le dos, te casser les jambes. Oh non, j'ai hâte d'arriver chez ma soeur, les gars. J'ai hâte d'arriver. Parce que là, c'est un supplice. C'est un supplice. Je déteste la neige, je déteste le froid, je déteste tout ça. Là, toutes ces bêtises de l'hiver. De vous mettre dans mon vlog, ouais. Si on sort bien, si on sort bien, si on sort bien en montage. Non, moi je suis pas maquillée. Ah, vas-y, je vais maquiller. Là, on est en mode natural. Comme c'est toujours moi, toujours quand on en voit, j'allais récupérer mes rêves parce que celle-là, elle s'est décidée de venir à 15h alors que le match France, je raconte le match Congo-Maroc, il est à 15h en fait. Et j'ai tellement faim, dites-vous, depuis on mange pas parce qu'on l'attend en fait. Ça y est, là tu pognon, hein, ça fait très longtemps, hein. Moodboard 2024, attends, une nouvelle résolution. Mais les gars, non mais attends, tiens, t'es pas choquée. Ça fait tu bizarre. Crois pas. Je crois pas, je crois pas. Et t'as pas pris pour le match? C'est comment pour moi, c'est pas vrai. Arrête, mais rien. En vrai, on a des chances, on a regardé par rapport à nos classements, on a des chances. Oh là là. Parce que la compagnie, ils ont même pas mis un but. De se qualifier déjà? Non. Déjà, mais on en met juste un. Et on peut être qualifié. Juste, il faut le mettre. Hein. Si on va être en sécurité. Et moi, j'ai dit, je mets pas mes organes dedans. Je te jure que la midi, je peux pas. Je me mets dans des états pour le foot, les gars. Je comprends pas. Genre, mon cœur, il est pas bien. Ma palpitation. Ma palpitation. Ne tu m'as averti. J'ai l'impression que la coupe, elle va aller, je crois, soit chez les West Af, soit chez les Rebels. Ouais. Mais je sens les West Af. T'as vu le match du Sénégal? Oh, ils sont chauds. Hey. Les Sénégalais, ils sont très chauds. Hey. Moi, c'est l'Angola qui m'a surpris. Hein. Ouais, l'Angola, franchement. Ouh. Même le Cap Vert. Cap Vert, ils sont à qualifier. Mais oui, mais c'est choquant. Cette CAN, c'est vraiment des pays. C'est un pays qu'on va pas s'attendre qui va gagner. Je te jure, il y aura la surprise. Parce que, vraiment. En fait, tous les favoris, ils sont bizarres cette année. L'Égypte, bizarre. Ghana, bizarre. Nigeria aussi, bizarre. J'avoue, l'Égypte, ça m'a choqué aussi. Il y a pour l'instant, il n'y a que le Maroc et le Sénégal en favoris qui tiennent leur place de favoris. Mais sinon. Mais le Sénégal, après, faut pas oublier que c'était les anciens champions. Ouais, donc, bah justement. Ils sont obligés de. Hein. C'est les mêmes qui foudrage contre Peter Overou. Voilà. En retrait. Bon, enfin. Et... Ouais, ça fait là. Un match. Et on va pouvoir les points maintenant.
Les gars, on est en train de faire le mood board. Je suis sûr, Pinterest, c'est tellement surcoté cette application. Moi, par exemple, je passe toutes mes journées dessus, les gars. En fait, c'est mon style. Je suis une personne très dispersée, donc j'ai mis stay focus. Ouais, c'est important. Moi, je me disperse tout le temps, donc que je reste concentrée. En gros, ça dit que ma seule limite, c'est moi-même. Ok. J'ai dépassé mes limites. La salle, bah, faut que je travaille peu. On l'a toute mis la salle, je crois. J'ai même pas mis le sport. Ah, si, moi, j'ai même pas mis le sport. T'es vraiment la pire, alors. Ah, déco pour la dot, trop de soirée. J'aime bien, voilà. Tu vois, c'est une gueule parce que toujours croire en Dieu et le mettre en première position dans tout ce que je fais. 2024 sera l'année où je serai la meilleure version de moi-même. Voilà. Là, on se concentre sur les bonnes choses. Ça, c'est parce qu'il faut des robes incroyables pour demain. Merci, c'était trop bien. Merci, franchement, Kako. C'est quand la prochaine date? C'est pas chez moi. Ah, okay. Les gars, je suis bien rentrée chez moi. Cette journée, elle était trop remplie d'émotions. Genre, vraiment, cette journée, j'ai tellement crié. Mais en fait, les gars, le match, il est fini. Il y a eu 1-1 pour le Maroc. Enfin, Maroc-Congo, il y a eu 1-1, mais il faut voir les commentaires que je reçois sur Snap. Il n'y a pas à m'insulter comme ça, en fait. Et c'est qu'un match, je comprends pas pourquoi je reçois des messages, des insultes comme ça. Moi, je suis là, j'ai mis mes snaps parce que j'étais contente. On vient, on renvoie ma story, on m'insulte. Enfin bref, on va faire un petit unboxing parce que du coup... j'ai eu mon petit cadeau de l'année. Donc déjà, il m'en valait trop. J'ai eu un planeur, les gars. Je sais pas si j'ai un planeur ou un... ou je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai eu un. Pour m'organiser, pour poser toutes mes idées. Franchement, je sens que ça va bien me servir. Et surtout que je suis une personne en vrai. Je pense que je peux tout retenir dans ma tête alors que non. Genre, il y a beaucoup de choses qui partent de ma tête. Donc, je pense qu'il va grave me servir. Je vais tout mettre là. Moi, je vais m'efforcer de l'utiliser. Ensuite, j'ai eu... depuis, je voulais tester les gummies, la chili. Donc, elles m'ont dit qu'il faut en prendre deux par jour. Soit tu prends deux le matin, soit un le matin, un le soir. J'ai trop... Ah, franchement, je suis trop contente qu'elles m'aient donné ça. Parce que là, nouvelle résolution, c'est prendre soin de mes cheveux, les gars. Là, le stress, il redescend. Le stress du match, je l'ai toujours. Franchement, je sais pas comment les mecs, ils font pour s'accrocher au foot comme ça. Et ressentir le stress comme ça... constamment dans l'année, en fait. Non, ils sont trop forts. Je peux pas. Là, je vais sauter dans la douche et je vais commencer mon montage. J'en ai marre de commencer à filmer et sortir les vidéos 2-3 semaines après. Là, on essaie de se booster et tout faire du tac au tac. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.